Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Les indices actions ont connu un début de semaine nettement haussier, réagissant aux publications trimestrielles des entreprises, mais la correction jeudi après les propos de Jérôme Powell donne une tendance globalement plate sur la semaine, alors que les rendements obligataires ne cessent de remonter, en lien avec l'inflation mondiale et le resserrement monétaire attendu beaucoup moins graduel désormais. Ces résultats d'entreprise ont relégué au second plan la dégradation attendue de la croissance mondiale, illustrée cette semaine au travers du ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise. Côté chiffres, la révision très marginale du chiffre définitif de l'inflation dans la zone euro à 7,4% sur un an témoigne d'une dynamique toujours haussière à ce stade. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage continuent de refluer, tandis que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie recule d'un mois sur l'autre. L'économie américaine a poursuivi sa croissance à un rythme modéré jusqu'à la mi-avril, mais la hausse des prix et l'évolution de la situation géopolitique ont créé des incertitudes et ont assombri les perspectives de croissance, selon le dernier livre belge publié par la Fed. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a déclaré qu'une hausse d'un demi-point du taux directeur sera sur la table lors de la prochaine réunion en mai, ajoutant qu'il serait approprié d'agir un peu plus rapidement. Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a quant à lui réaffirmé lundi souhaiter un relèvement des taux à 3,5% d'ici la fin de l'année face à une inflation à un pic de 40 ans. Ceci se traduirait par des hausses de taux de 50 points de base lors des six réunions restantes de la Fed cette année, sans exclure une augmentation de 75 points du coût du crédit lors d'une réunion. La Banque centrale américaine entend ainsi agir pour contenir la flambée de l'inflation alors que le marché du travail reste sous tension. In fine, toujours beaucoup de débats au sein des conseils de gouverneurs des grandes banques centrales. À titre d'illustration, la Banque Centrale Européenne n'a pas donné de calendrier concernant les hausses de taux, se voulant flexibles, mais les déclarations cette semaine illustrent la dissonance au sein de l'institution. Assez logiquement, le rendement des emprunts d'État US à 30 ans a touché le seuil des 3% pour la première fois depuis début 2019, et celui du 10 ans, un pic depuis décembre 2018 à 2,91%. En zone euro, nouvelle poussée haussière des taux souverains après les propos du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, laissant entendre une première hausse de taux en juillet. Dans les points de vigilance, on notera le dernier rapport sur la stabilité financière mondiale du FMI, qui alerte sur la moindre capacité de résistance du système financier au moment où les taux d'intérêt remontent. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.